I've been here all night. Ariana. I've been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. Cause I know you. Ah bien, bonjour, vous. Comment allez-vous chez vous? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes quoi? Nous sommes qui? Nous sommes quand? Nous sommes samedi, c'est une nouvelle vidéo qui va commencer. Donc oui, je me suis fait enfin ma couleur de cheveux. Donc là, je viens de le faire. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, ma vidéo, nous sommes jeudi. Donc je viens de le faire, donc ça va dégorger un petit peu. Et ça va s'éclaircir un petit peu. Donc voilà, les choses sont dites. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir un peu l'effet. Ça rend pas du tout pareil en vidéo qu'en vrai. En vrai, c'est vraiment gris de partout. Donc pourtant, avec mes éclairages, j'ai essayé de faire un effet pour qu'on puisse voir de partout. Bon, en même temps, on voit bien que je ne suis plus brun, hein, à moins que... Mais à mon avis, on voit bien le changement. Mais maintenant, nous allons passer à la vidéo principale. Parce que nous allons enfin commencer la chaîne, entre guillemets, de Tuto Maker. Donc je pense que je vais arrêter de blablater avec vous. Parce que quand je vois ce que j'ai à vous présenter, je pense que ça va être compliqué cette vidéo. Donc comme le titre l'indique, je voulais vous faire une revue sur le maquillage de chez Kylie Jenner. Bon là moi je l'avais déjà ouvert, mais ça se présente comme ceci. Vous avez plein de papier bulle, mais alors c'est hyper bien enveloppé. Donc il y avait la palette, la boîte à palette. Il y avait un petit mot avec les petits noeuds qui font gling 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 gling. Donc vous avez les produits dedans et vous voyez tout ce qu'il y avait comme protection bulle. Il y en avait vraiment un max, un max, un max. Donc là j'avais gardé le carton exprès pour vous le montrer en vidéo. Maintenant concrètement... Donc je vais me faire un maquillage avec la palette de Kylie Jenner. Donc forcément hein, si vous êtes intelligente ou intelligent, je ne pourrais pas me faire la totalité des fards à paupières sur ma gueule, forcément. Et je voulais également vous faire découvrir un produit que j'étais acheté spécialement pour vous, que la marque Etam. Donc, et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a été foutu chez Etam, d'après vous? Un soutif, une culotte, un string. Donc sur Snap, j'avais posté juste le sac Etam et on m'a dit, oui c'est ça, c'est si, c'est ça. Et ben j'étais même pas, personne à trouver. Donc maintenant que le sac, hop hop hop, je vous l'ai montré. Pobelossi. Donc j'ai été acheter chez Etam leur brume de teint. Donc c'est un fond de teint en spray. Et je voulais également dans la vidéo, de toute façon je vous en parlerai, vous faire découvrir la nouvelle Beauty Blender de chez de la gamme Sephora. Je l'ai acheté, donc je vais l'utiliser dans la vidéo et puis bah on va voir ensemble en même temps mes avis. Donc c'est un peu un haul, c'est un peu une revue, c'est un peu un make-up, c'est un peu un ensemble de choses sympathiques. Donc sur ce, c'est parti pour la vidéo. Donc je vais prendre ma petite Beauty Blender que je vais humidifier avec mon petit Afex Plus parce que j'ai la flemme d'aller le mouiller. Moi j'ai envie de vous dire, c'est pas gagné. Donc on secoue. Je pense que ça a fait secouer. Et maintenant j'ai peur. Donc c'est parti. Oh non, ça va. Oh, moi je pensais que c'était en spray. Pshhh. Mais en fait c'est juste comme un vaporisateur. Oh, mais ça va. Je sais pas si vous voyez. Bon, on va pas non plus mettre 3 tonnes de fond de teint sur la gueule. Donc je prends ma petite éponge et on tapote. Mais écoutez, ça m'a pas l'air mal du tout. Déjà la couleur est la bonne, donc déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, parce que bon, j'ai un peu choisi ça en mode à l'arrache, à 9h30 du mat. Allez, un mec, allez chez Etam. Comment vous dire, un peu compliqué. Hein. En plus, la meuf chez Etam. Ah, mais vous êtes au courant qu'il n'y a rien pour les hommes ici? Monsieur, dis-toi, t'es mal barré avec moi. Donc, je l'ai remise à sa place gentiment, parce que là, pour moi, c'était une agression. Et je l'ai remise à sa place. Après, elle me dit, parce qu'il faut que je raconte en même temps, on se dit tout. Hein, je vous ai dit, la vidéo, elle a duré 3 plombs. Elle me dit, mais vous travaillez chez Kiko? Je fais, non, pourquoi? Elle me dit, je sais pas, vous avez le look.
écoute, pouf. Bref, je commente même plus ça. Écoutez, la texture est pas mal. Ouais, en fait, faut bien lisser quoi. Faut bien la lisser le truc, parce que alors sinon ça vous en fout partout. Bah écoutez, franchement, le résultat est vraiment très subtil, très naturel. N'en mettez pas trop parce que franchement, elle plaque quand même pas mal. Vous pouvez très bien le mettre sur votre éponge ou sur votre pinceau. Et je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc, je pense que ça va être pas mal à utiliser en plusieurs fois. Voilà. Donc maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc le Bounty Sway, hein, on va pas blablater 3 heures. Donc je viens me l'appliquer comme ceci. Hop. Là, je me fais vraiment ce que je fais tous les jours. Ah ouais, mais tu te maquilles tous les jours. Je me fous de votre gueule. Je sais. Elle est vraiment pas mal du tout. Hein. Je sais pas si on voit l'effet. Alors, en fait, je viens de m'apercevoir qu'il y a deux côtés. Vous avez le côté pour le fond de teint et le côté pour l'anti-cerne. L'autre est beaucoup plus fin, justement, pour pouvoir passer dans les cernes. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un miroir là, comme ça. C'est galère à tenir un miroir, je vais investir dans un miroir. Donc voilà, pour le teint, maintenant nous allons passer à la poudre. Concernant la poudre, je vais utiliser la nouvelle de chez MAC parce que vous m'avez demandé d'en parler. Donc je vais en parler brièvement, c'est juste une poudre libre, assez naturelle, mais en même temps faites attention à votre type de peau. Les peaux sèches, attention, elle est très bien pour les peaux mixtes à tendance grasse. Donc vous avez un petit tamis, donc en fait elle va vous permettre de prendre de la poudre, vous voyez. Hop, vous retapez et vous en prenez. Ça évite d'avoir le gros tamis rempli de poudre qui dégueule de partout. Ça me gonfle. Donc tout simplement, je prends mon pinceau. Donc ça, c'était le pinceau d'une édition limitée de chez MAC, de la collection Trolls. Je poudre un petit peu, très important, je poudre l'anti-cerne. Alors, je ne fais pas la technique du baking à chaque fois. Hein. Je ne le fais pas le matin, je ne le fais pas quand je me maquille. Donc les Américains ils font que ça, moi je suis le petit Frenchie, donc je ne le ferai pas. Donc voilà pour la poudre, maintenant on va venir sculpter un petit peu mon visage. Comme vous le savez, moi j'aime bien venir sculpter qu'est-ce que je voulais dire, bien le bonjour. Donc moi j'aime bien venir sculpter mon visage, mais moi je viens plus rehausser, réchauffer mon teint que faire le... Franchement, ça je le fais rarement. Mon chocolat de soleil de chez Too Faced, comme d'habitude. J'en peux plus de ce... Si vous cherchez un bronzer, bien, franchement top. Moi, je vous le conseille vraiment. Donc là, je vais venir juste rehausser à quelques petites parties du visage. Donc moi, j'en mets uniquement où j'ai tendance à bronzer et à prendre le soleil. C'est un peu l'astuce que je peux vous donner. Donc là, je rehausse vachement mon teint. Parce que qui n'aime pas être bronzé, hein. Donc là, je vais comme ça... Je m'épuise. En fait, les flashs vous cassent complètement le résultat final et ça me tue. C'est chiant, j'ai coupé trop haut, on voit pas assez mes cheveux. C'est fou, ça ressort pas du tout comme en vrai, ça me tue. Moi qui pensais que ça allait se voir beaucoup plus, dégoûté. Donc je vais venir me mettre mon highlighter. Je pense que je vais mettre le Nuanced. Donc en fait, c'est l'highlighter de chez MAC, c'était une édition limitée. Vous en avez 4, donc il y a 4 couleurs. Moi, je viens mélanger l'ensemble. Ce n'est pas possible. Donc, je viens mélanger l'ensemble. Et avec mon pinceau 137, qui est un pinceau comme ceci. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Regardez. Je vais juste venir légèrement m'apporter un petit peu d'highlight. Mais moi, en fait, avant de maquiller les yeux, j'aime bien avoir le teint parfait parce que pour moi, le plus important de make-up, c'est le teint. Si votre teint est dégueulasse et que vous commencez à faire vos yeux, c'est une catastrophe. Vous pouvez faire vos yeux en premier et faire votre teint en dernier. Ça, c'est une question de goût. Moi, je n'aime pas du tout, hein, d'accord. Donc, après, c'est vraiment une question de technique, de goût, voilà. Moi, j'aime pas ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Je suis amoureux de ce pinceau. J'ai envie de dire, mais Max, ferme ta gueule et va à l'essentiel, mais j'ai pas envie. Donc maintenant, nous passons aux choses sérieuses. La palette de chez Kylie. Je vais déjà me faire une pré-base avec le clair, donc le clair qui s'appelle Topaz. Donc j'espère que c'est... Parce qu'en fait, vous avez derrière les noms ici et vous avez les trucs. Donc j'espère que je vous dis pas de conneries. Fabriqué aux USA, je me doute. Le bémol, au lieu d'avoir écrit Kelly, alors il m'a fait de mettre un miroir comme la palette là, parce que c'est pas du tout pratique.
Donc je viens et je vais venir en mettre sous mon arcade, sourcinière. Oh là là, je pense que je pense que la décoloration de mes cheveux ce matin ne m'ont pas arrangé le cerveau. Ça ouvre le regard. Impressionnant. Wow. Donc je vais venir maintenant avec la couleur Gold Stone. Je viens d'appliquer mon pinceau, la pigmentation des fards. Oh. Elle est juste extraordinaire. Donc je vais venir dans mon creux de paupière et je vais venir estomper, voyez, comme ceci. La couleur, elle est juste à tomber par terre. Oh là là, je suis amoureux. Donc je vais venir légèrement ombrer mon ras de cils inférieur. Ces fards font quand même des chutes, donc tapotez un petit peu avant ou travaillez la texture un petit peu avant sur votre main. Donc voilà, voilà pour les deux identiques. Maintenant je vais venir un petit peu, en plus je confonds avec cette palette là, alors imaginez le bordel. Donc maintenant je vais venir avec le orangé qui se présente ici et c'est le citrine. Voilà, c'est le citrine. Donc je me tape, non, je vais garder le même pinceau, je vais juste estomper le pinceau. Donc je prends la même couleur, donc citrine, le orangé. Et je vais venir juste ici, au coin externe, mais je viens plus le dégrader sur la paupière mobile. Vous voyez, tout simplement, vous prenez votre pinceau, vous l'appliquez dans votre creux et hop. Et là, vous pouvez danser, swinguer. Oh, la mise au point va me casser les glaouilles, hein, concrètement, aujourd'hui. Donc là, mon orange, il est mis, il est prêt, il est tout beau. Je suis waouh. Je vais prendre le 221 de chez MAC. C'est comme un 217, mais en plus long. Et je vais venir avec le fard Obsidian. Voilà. Et je vais, en fait, c'est celui-ci. Hop, et je vais venir... Et je vais venir, pareil, dans le creux, juste ici. Mais alors, le fait d'avoir ce pinceau-là, il va vraiment structurer l'œil. Vous voyez, moi, sur mon œil, je ne peux pas me contenter que de venir dans le creux-là. Il faut que je vienne sur le dessus de la paupière pour pouvoir avoir un effet bien intense. Donc là, avec un pinceau sans rien, moi, j'aime bien reprendre et tout venir estomper au-dessus. Et Maxime, arrête de lever tes sourcils, ça te déforme le maquillage. Et à la fin, on remettra de la lumière, tout ça, tout ça. Franchement, pour les personnes qui ont douté encore pour acheter la palette, mais vraiment, allez-y à 100%. Vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, ma couleur est terminée. Je vais appliquer directement un marron un petit peu plus foncé, voilà, pour vraiment faire mon dégradé et structurer un peu plus mon regard. Donc je vais prendre cette couleur-ci qui est un marron un petit peu rouge, c'est le bronzite, voilà. Je vais en prendre, alors là par contre j'en prends un peu parce que, non mais hey, matez ça quoi. Donc je graisse toujours avec mon 221 et je viens légèrement structurer vraiment mon ras de cils. Et là je viens en fait, le but, vous voyez la différence avec celui-ci, c'est que je viens en mettre sur ma paupière mobile, légèrement dégradée. Donc pour ça, je reprends mon 217 sans rien dessus et je reviens et je dégrade pour avoir mon fondu. Je me prends un 219 avec ma couleur précédente qui est le petit chocolat caramel et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc je m'arrête au centre, vous voyez, de mes yeux, mais je le redégrade bien jusqu'au coin interne. Parce que là on est quand même sur un maquillage du coup un peu poussé. Donc si je m'arrête net comme ça, ça va pas être très joli. Je reviens avec mon foncé foncé marron, le bronzing, je sais pas quoi là. Le bronzing zit. Et je viens et je fais la même chose. On va y aller mollo. Je sens que je vais pas tarder à avoir les yeux qui pleurent, donc on va pas s'enflammer non plus. Donc voyez ce que ça donne. J'ai même à moitié envie de mettre du crayon noir à l'intérieur de l'œil, je ne sais pas encore. Donc je suis parti dans ma salle de bain prendre un crayon pour les yeux parce que finalement je vais faire quelque chose de dark. Voilà. Donc j'ai été me chercher un food line. C'est un crayon de chez MAC, c'est le Hertz Sign. Je vous mettrai la référence, ce sera plus simple. En fait c'est pas un noir, c'est un crayon un petit peu prune foncé. Et du coup ça va me permettre d'en mettre à l'intérieur de l'œil et d'avoir un effet beaucoup plus intense.
maintenant, toujours de la palette Kylie Jenner, forcément, je vais juste terminer le make-up avec un petit peu de noir au ras des cils inférieurs et supérieurs, donc comme ceci, faire comme un trait de liner. Vous allez comprendre pourquoi. Et maintenant, avec mon 239, que j'ai bien estompé avant, je viens juste dégrader un petit peu mon fard à paupières que j'ai mis au ras de cils. Donc maintenant je me mets du mascara, je mets le poire de chez MAC. C'est un mascara qui va faire le côté définissant et longueur. Bon, j'aime pas mettre du mascara, mais alors là concrètement, pas avoir le choix. Donc là je vais juste venir placer de la lumière au coin interne. Je vais prendre le deuxième qui s'appelle Quartz et je vais venir apporter ma petite touche de lumière. Et je viens en mettre légèrement sous mon arcade pour apporter une petite touche de lumière. Je voulais juste vous parler, vite fait et bien fait, j'ai essayé de faire ça en 30 secondes chrono. J'ai reçu 5 paires de fossiles de chez la marque Ever Blinks. C'est une marque que je connaissais pas du tout. C'est des fossiles que j'avais envie d'essayer. La marque a été gentille, m'en a envoyé 5 paires. Franchement, regardez ça quoi. Vous avez un petit coffret, vous l'ouvrez. Alors ça c'est le petit hop, mode d'emploi. Et vous avez votre paire de fossiles, donc vous avez 5 paires de fossiles différents. Vous avez plusieurs tailles, plusieurs formes, plusieurs effets. C'est des fossiles naturels, très important, c'est fait main et je trouve ça juste, vraiment juste incroyable. Le lien directement si vous voulez en acheter en barre d'infos. Donc je vais vous montrer la paire de fossiles que je vais me poser. J'ai vraiment... Donc je vais me poser cela. Donc j'ai ma colle duo, je vais coller ma paire de fossiles et on se retrouve dans 3 secondes. Je voulais juste vous dire, quand vous posez votre paire de fossiles avant de mettre la colle, moi j'aime bien, voyez, faire des petits mouvements de gauche à droite pour leur donner une forme, bah la forme de l'œil quoi, tout simplement. On se retrouve, je viens de poser mes fossiles. Franchement, rapidité, efficacité, je les sens même pas du tout sur mes yeux. Et un petit peu de Fix Plus. Alors ça, je peux vous dire qu'une fois que vous avez terminé votre maquillage, c'est une délivrance, ça fait du bien, mais d'une violence monumentale. Hop, je relise un petit peu tout ça. Écoutez, cette vidéo est terminée, enfin, j'ai envie de vous dire. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le look des yeux vous aura plu avec la palette Kylie Jenner. Écoutez, il y a tellement de multitudes de possibilités qu'on peut faire avec cette palette-là, que du coup, on peut faire moins fort. Bon là, j'ai poussé hein, concrètement. Mais on peut faire quelque chose de beaucoup plus subtil. À vous de me dire en barre d'infos. À chaque fois je veux dire en barre d'infos. À vous de me dire en commentaire si vous voulez que je refasse un look plus soft. J'avais absolument envie d'essayer les fossiles. Donc de toute façon je vous mets le lien des fossiles en barre d'infos. Parce que franchement oh la lâche. Comme ils disent de la boîte, oh la lâche. Donc sur ce, je compte sur vous pour me blinder cette vidéo de commentaires, mais alors vraiment, vraiment, vraiment. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas j'ai pris un kiff à la faire. Dans cette vidéo j'étais en forme, moins fatigué, je pense que ça s'est vu, je suis au taquet. J'ai ma nouvelle couleur de cheveux, donc je suis au taquet pour faire mes vidéos. N'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce en haut ou un petit pouce en bas. Vous faites ce que vous voulez, je vous influence en rien. Et surtout de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me fait le plus plaisir à, en plus de vos commentaires, c'est que vous vous abonnez. Et c'est qu'on grimpe de jour en jour tranquillement. Moi je ne suis pas pressé. 32 000 abonnés me va très très bien. Je suis très content de mes 32 000 abonnés. Donc écoutez, moi sur ce, je vous fais de gros à bisous bisous. Et moi je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous bisous. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bisous bisous chez vous. When you want to get off the darkest ground.